2 Thessaloniciens. Après avoir élevé Jésus, nous voulons partager un peu la parole et vous laisser poser aussi les petites questions que vous avez. De Thessaloniciens, chapitre 2, nous allons lire du verset 1er au verset 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On peut même lire jusqu'au verset 17. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Amen. Alors suivez très bien, s'il vous plaît, ce qui va être dit. Parce que ce message concerne les enfants de Dieu. Mes amis, s'il vous plaît, ouvrez grandement les oreilles. Vous avez dû remarquer certainement que personnellement, je deviens de plus en plus, comment dire, je dirais fou. De plus en plus indépendant des hommes. De plus en plus, le Seigneur me pousse à me détacher des frères et sœurs, de certaines personnes qui ont été formées afin d'être libre et de pouvoir crier. Crier quoi? Crier que le Seigneur est en train de revenir. Il est vraiment important que vous sachiez que l'homme impie est déjà sur terre. Il est vraiment important que vous le sachiez. Ne me demandez pas qui est-il. Je ne tomberai pas dans cette erreur de vouloir identifier physiquement l'homme impie, mais il est déjà là. Et une grande partie de la chrétienté ne le sait pas. Pourquoi? Parce que justement, la prophétie biblique doit s'accomplir, celle qui annonce justement, merci, l'apostasie. Quand on voit ce qui se passe
ce qui se passe présentement. D'abord en ce lieu. Ce que le Seigneur est en train de faire ici et là. Et quand on regarde ce qui se passe dans d'autres ministères, la manière dont le Seigneur est en train de communiquer ce message à son peuple, on ne peut qu'affirmer que le Seigneur n'est plus loin. Amen. Si ton voisin dort, il faut le réveiller. Vous savez, vous ne pouvez pas vous préparer pour le retour du Seigneur si vous ne savez pas en quel temps nous sommes. Nous avons, depuis des années, parlé de l'apostasie. Dénoncer Babylone, mais l'apostasie est rentrée chez nous. Voyez. Voyez la subtilité avec laquelle l'ennemi peut, mes amis, séduire les enfants de Dieu. Même ceux-là qui ont reçu le vrai message. Rappelez-vous bien que les sept églises d'Apocalypse, étaient composées des chrétiens, des hommes et des femmes qui aimaient Dieu. Des hommes et des femmes qui avaient reçu la parole véritable. Mais qui, avec le temps, ont fini, certains d'entre eux, notamment les cinq églises sur sept, c'était complètement détaché de la parole. Donc ça veut dire que l'apostasie ne concerne pas seulement les autres. Ça te guette, ça me guette. Oh oui. Alléluia. Si tu dors là, lève-toi. Nous ne sommes pas un endroit où il faut dormir. Non, non. Un conseil. Si tu as le sommeil, lève-toi. Parce qu'il ne faut pas seulement aimer quand ça bouge. On a besoin de la parole. Cet épître est vraiment d'actualité. Les chrétiens de Thessalonique étaient tellement persécutés à cause de leur foi qu'ils ont cru que le Seigneur était déjà arrivé. Il y a eu des lettres qui avaient été envoyées dans ces églises et qui étaient attribuées à Paul. Il y a eu des paroles qui avaient été envoyées là-bas qui étaient également attribuées à Paul, des inspirations. Disant que Paul même est resté à l'enlèvement et qu'il enseignerait que la persécution dont faisaient l'objet ses frères et sœurs n'était rien d'autre que la grande tribulation. L'apôtre Paul parle de deux choses ici. Il parle de notre réunion avec le Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement, et il parle de son avènement, de son retour physique. Et il dit, avant que l'enlèvement de l'église n'ait lieu, il faut, c'est une obligation, que l'apostasie soit arrivée auparavant. Frère, écoutez, je vous le disais tantôt, qu'on a parlé de l'apostasie pendant des années. Et quand Dieu m'a dit, en septembre, en juin dernier, que chez vous, il y a l'apostasie, frère, je ne voulais pas tellement y croire. Laissez-moi nous dire, vous êtes là, vous qui êtes dans les assemblées ici. Il y a eu tellement l'apostasie dans la vie de certains dirigeants. Vous-même, les chrétiens, vous le voyez ces choses-là. Vous êtes restés bouche bée. Ce n'est pas pour vous condamner, mais il faut que vous vous réveillez. Il faut, c'est un ordre, que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et l'apostasie, comme vous le savez, elle est là. Elle est là, l'apostasie. Il y a deux types d'apostasie. Il y a l'apostasie qui fait que des frères qui ont connu la parole vont quitter la vie chrétienne pour repartir dans le monde. Nous avons un exemple dans la Bible. Démas, qui a quitté Paul, la vie chrétienne, et qui est reparti dans le monde. Ça, encore, ces personnes-là, bon, Dieu peut le rattraper. C'est des personnes qui ont été éclairées, qui sont touchées.
et qui sont volontairement reparties dans le monde, qui ont été séduites par l'ennemi. Le deuxième type d'apostasie, elle est beaucoup plus... Il est beaucoup plus dangereux ce type d'apostasie. C'est quoi? Il concerne des personnes qui sont chrétiennes, qui continuent à fréquenter les chrétiens, les églises. Voire même qui prêchent la parole. Mais qui ne sont plus dans la vérité. Et là, c'est dangereux. Parce que ces personnes sont persuadées être dans la vérité, mais elles sont à côté. Et c'est le cas de beaucoup de ministères que vous connaissez, de beaucoup de prédicateurs qui dirigent des assemblées et malheureusement, ils dirigent, ils conduisent les gens en enfer. Il peut y avoir des miracles. Ça va? Vous allez bien? Vous savez, je vais vous dire une chose. Par rapport à ce deuxième type d'apostasie, la sincérité, l'honnêteté, la sincérité n'est pas toujours synonyme de vérité. Un apostat qui reste dans la chrétienté, qui continue à exercer le ministère, à prêcher, à faire des missions ici et là, peut être intègre, peut être sincère dans sa démarche, alors qu'il est à côté. Selon Dieu, je prends un exemple. Vous prenez un avion pour aller à New York. Vous montez dans cet avion. Vous vous dites que vous allez à New York, n'est-ce pas? Mais le pilote sait qu'il ne va pas, il ne va pas à New York, il va à Montréal. Vous voulez que j'enseigne? Amen. Ne dormez pas. Il y a des attaques de l'ennemi là pour que vous dormiez. Vous avez trop chaud? Vous êtes dans cet avion, vous allez, pour vous, vous allez à New York, mais l'avion ne va pas à New York, l'avion va à Montréal. Mais si on vous pose la question de l'avion, où allez-vous? Vous direz quoi? Vous êtes sincère ou pas? Est-ce que vous mentez? Non. Pourtant, vous êtes dans le faux. Donc vous vous rendez compte? Ces prédicateurs sont persuadés d'être dans la vérité. Vous pouvez parler avec eux matin, midi, soir, ils vous diront: mais je suis dans la vérité. Mais j'ai un Jésus. Mais pourtant, ils sont apostats. C'est très subtil. Et Paul dit, il faut que ces choses arrivent. Et il nous dit, par la suite, ordre, hein? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Vous savez, paraître ici est un terme qui est assez profond. Le terme que Paul, le verbe que Paul va utiliser ici est très fort parce que, en fait, paraître ici, c'est comme si on va dire, voyez, est-ce qu'il y a un panne ici? Quelqu'un peut me passer un panne? Voilà. Non, c'est pas grave. Dans le grec, ce verbe en fait dans la pensée de l'auteur de Paul, quand il a employé ce verbe là, paraître, qu'il faut que l'homme impie paraisse. D'accord? Il voulait dire que c'est comme s'il était déjà là, mais il était voilé. D'accord? Qu'il était couvert. Paraître, c'est apocalypto, c'est-à-dire couvert. Mais Dieu, c'est lui qui va enlever ce voile. Et là, on verra que, ah ben tiens, ben, il était là. Donc, ça veut dire quoi? Quand on parle de l'homme impie, il faut qu'il paraisse. Donc, quand on parle de l'homme impie, on voit en même temps son système. D'accord? Ce que vous, comme vous savez, c'est Babylone. Donc, ça veut dire, mes amis, Babylone est un mystère, n'est-ce pas? Ça veut dire que si Dieu n'enlève pas ton voile pour que
que tu vois que tu es dans un système babylonien, tu ne le sauras pas. Même si tu as Bac plus 100. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Paraître, c'est dévoiler, enlever le voile. Et dans 1 Jean 4, on apprend que l'esprit de l'homme impie est déjà là depuis. Frère, plus ça va, plus je me rends compte que l'heure est grave. Vous avez vu le nombre de prédicateurs d'abord chez nous qui tombent? Vous avez vu le nombre de pasteurs qui tombent dans les églises, frère? C'est hallucinant. J'étais à Kinshasa, vous le savez. Frère, tous les grands là-bas, tous, sans exception, sont tous tombés. Comment vous pouvez expliquer cela? Paul dit, il faut que l'homme impie paraisse et qu'on ait vu l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Qu'il ne soit dévoilé qu'en son temps. Et c'est Dieu qui le dévoile. Or, Ecclésiaste 3 nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Vrai ou faux? Frère, le temps dans lequel nous sommes est un temps où Dieu est en train de dévoiler l'impie. C'est à vous de demander le discernement au Seigneur. S'il y a une époque où le don de discernement des esprits doit être demandé constamment au Seigneur, c'est cette époque dans laquelle nous sommes, vous et moi. Il n'y a jamais eu autant d'avortements que dans cette génération. Il n'y a jamais eu autant de divorces. En France, par exemple, il y a près de 100 000 divorces par an. Il n'y a jamais eu autant d'homosexuels que maintenant. Il n'y a jamais eu autant de pasteurs cupides, impudiques, menteurs que maintenant, que pendant cette génération. Vous avez vu ces jeunes enfants, ces jeunes filles qui sont habillées comme des top modèles, maquillées, 12 ans, 13 ans. Cette génération est malade. Les hommes sont devenus fous. Ils sont devenus des véritables animaux. Et Paul dit que l'homme impie sera dévoilé. Frère, ouvrez les yeux. Son système a pris de l'ampleur, aussi bien sur le plan politique que sur le plan religieux. Mes amis, si tu n'es pas encore mort, là, si tu n'es pas encore, c'est-à-dire si tu n'as pas encore 70 ans, 80 ans, ne te glorifie pas encore. Parce que le chemin est long. Ça veut dire que ce message que nous prêchons là, si, mes amis, même moi qui vous parle, il n'y a que Dieu qui peut nous garder. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité, ça veut dire quoi, mystère? Ça veut dire que si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour que tu vois ce mystère-là, Babylone, tu ne le verras pas. Tu comprends? Amen. C'est-à-dire que tu peux croire être dans le vrai, mais le système est déjà en marche. Tu as déjà entrelacé, pris dans ce filet, cuit, fini. C'est pour ça, de temps à autre, il faut disparaître. Il faut savoir prendre du recul, prendre un mois de repos, quand on est dirigeant, pour se ressourcer.
Parce que quand on est constamment dans le feu de l'action, on ne peut pas voir si on est vrai dans le vrai ou pas. Il faut savoir sortir. Un conseil. N'aimez pas le ministère plus que Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu prend Paul. Il l'enferme en prison pendant plusieurs années. Vous avez posé-moi la question pourquoi? Pourquoi? Non, je n'ai pas entendu. Pourquoi? Pour l'épargner. Lui épargner Babylone. Comment Dieu qui appelle quelqu'un pour les nations va-t-il l'enfermer en prison jusqu'à la fin de sa vie? Pourtant en prison, Paul touche les nations. De prison, Paul atteint les nations. C'est à nous de parler. Alléluia. Amen. Et alors paraîtra. Et alors paraîtra l'impie. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Là, on arrive. Écoutez bien. L'apparition de cet impie. Ici, là, c'est, mes amis, parousia. Donc, il y a deux avènements. Il y a l'avènement du Seigneur et il y a l'avènement de l'homme impie. D'accord? Avant l'avènement du Seigneur, il y aura d'abord l'avènement de l'impie. Et l'avènement de l'impie, frère, on y entre. Plus ça va, plus on rentre dedans. Vous avez vu la manière dont les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu? C'est incroyable. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, c'est-à-dire énergie, c'est-à-dire le fonctionnement. Ah oui, avant que l'impie ne se manifeste, il y a d'abord la puissance de Satan qui va se manifester. Et c'est le cas depuis. Parce que le mot puissance ici, c'est fonctionnement, action. Quel est le fonctionnement que beaucoup d'églises ont adopté, frère? Regardez autour de vous. Allez dans d'autres séminaires. Quand il y a des séminaires ici et là, frère, allez voir ce qui se passe. Pour que vous soyez au courant de la réalité des choses, de l'état véritable des églises. Ce n'est pas empêché de les voir ailleurs. Quelle est cette puissance de Satan? Qui doit précéder l'avènement de l'impie? Parce qu'on nous dit que l'avènement de l'impie se fera par le fonctionnement de Satan. C'est, il y a un fonctionnement qui doit être mis en place. Eh bien, ce fonctionnement, frère, regardez un peu. Regardez, ouvrez les yeux. Vous êtes là. Regardez ce qui se passe dans les assemblées, frère. La dernière fois dans ton assemblée où tu as vu des conversions authentiques, ça remonte à quand? Soyez honnête. La dernière fois dans ton assemblée où tu as vu des miracles sans forcer, ça remonte à quand? Vous avez vu le fonctionnement dans les églises? Un fonctionnement, frère, qui étouffe les ministères. Il y a un jeune homme qui a témoigné à Kinshasa. Il était dans son assemblée la deuxième personnalité. Il a entendu parler du message. Il a reçu des messages. Il a écouté. Il a suivi. Il est venu témoigner. Il a dit, mes amis, disait-il, que Dieu soit béni parce qu'il m'a délivré. Il disait, mon pasteur, parce qu'il prêche, ce jeune homme prêche dans les bus, n'est-ce pas, dans les taxibus. Et son pasteur l'appelle. Il lui dit, écoute, j'ai appris que tu vas prêcher dans les bus, les marchés.
où sont les offrandes qu'on te donne? Et puis il lui dit, son pasteur, qui t'a donné l'autorisation d'aller prêcher là-bas? C'est par moi que Dieu passe pour te bénir, disait-il. Et il a fait des années avec ce pasteur. Vous avez vu ce fonctionnement? Eh bien, c'est la plupart des églises fonctionnent comme ça. Un frère qui est avec nous à Montréal, il va dans une église d'un pasteur avec qui on a essayé de travailler. Un pasteur français, mais qui vit au Canada depuis des années. Il va dans cette église un dimanche pour les visiter. Il lève la main pour poser la question pendant que le pasteur prêchait. Le pasteur lui dit devant tout le monde, ici, c'est moi qui suis le patron. Si tu veux poser une question, tu dois faire au moins 4 ans ici. Et attendre qu'on te nomme diacre. Ensuite, tu pourras parler. La puissance de Satan se manifeste aujourd'hui dans les églises, frères, pour préparer l'avènement de l'homme impie. Le fonctionnement, l'action de Satan s'opère dans les assemblées. Ouvrez les yeux. Vous ne pourrez pas dire, vous qui êtes ici, vous ne pourrez pas dire qu'on n'a pas été averti. Alléluia. Amen. Un pasteur est décédé à Paris. Sa femme dit que ce pasteur a versé son sang pour l'église. La vidéo est sur internet. Que le pasteur du haut du ciel là-bas les voyait. Voilà le fonctionnement de Satan. La puissance de Satan. Et cette puissance se manifeste comment aussi? Par le matérialisme. Le matérialisme. L'amour du matériel, frère. Cette puissance de Satan prépare l'église de Laodicée. Vous avez vu les prédicateurs qui vous prêchent la parole, qui vous disent vous allez être des champions. Champions comment? En ayant des postes clés dans votre pays, n'est-ce pas? Pour faire de la politique. Voilà l'église qui s'implique dans la politique maintenant. Hein? Beaucoup de pasteurs en RDC ont posé des candidatures pour être des députés. Ils courent après quoi? 6 000 dollars de salaire par mois. Ils ont perdu leur ministère, leur onction, leur témoignage. Voilà le fonctionnement de Satan. La puissance de Satan. Frère, cette onction-là, elle est dans les églises aujourd'hui. Les églises sont devenues des églises du gospel. Vous avez vu dans quelle Bible une église avec le gospel comme ça? Amen. Le chant là. Soutane gospel. Amen. On fait venir des musiciens américains qui viennent, concert gospel, payant 20 euros, tout ça là, 30 euros. Et vous êtes là, c'est vous qui payez aussi. On vous croise là-bas, j'entends. Hein? Uh-huh. Vous êtes là, vous acclamez, ah, frère prêche. Idolâtre! Et une sœur qui a voulu organiser, qui a organisé une réunion de jeunes ici, elle a voulu mettre l'entrée payante à la mise. Je lui ai dit, soit tu mets gratuit ou soit tu arrêtes, tu annules ton programme. Vous faites vos programmes, vous voulez utiliser les frères et sœurs des églises locales, mettez ça gratuitement. Nous avons reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Merci Seigneur, allez écouter. Il ne faut pas utiliser la Bible pour faire des affaires. Voilà le fonctionnement que nous... La parole est claire, Paul dit que l'apparition de cet empire se fera par le fonctionnement de Lucifer. Vous avez vu ce chantre chrétien, star. Frère, vous avez vu quel musicien de la Bible faire des clips. Quelqu'un m'entend-il ce soir?
soir. Amen. Clip. Et un des jeunes prédicateurs chez nous me pose la question, mais oui, mais quand vous prêchez, quand tu prêches, quand nous prêchons, nous filmons aussi, il y a des vidéos de nous. Je lui ai dit, pendant qu'il parlait, Dieu me parle à l'oreille. Dieu me dit, dis-lui que les prédicateurs dans la Bible s'adressaient aux foules, aux hommes. Les chantres s'adressaient à Dieu. Nous ne prêchons pas le Seigneur. Je veux dire, on ne va pas dire, Seigneur, je vais te prêcher la parole. Dieu, on l'adore. N'est-ce pas? Les chantres dans la Bible adoraient Dieu dans le temple. Et les prédicateurs, les scribes, les sacrificateurs parlaient au peuple. Esdras même avait une estrade sur laquelle il se mettait pour enseigner. Là, ça l'a calmé. Fonctionnement ludo, fonctionnement babylonien, clip vidéo, adorateur. Dans un même clip, dans un seul chant, l'interprète se change de vêtements moins 3 fois, 4 fois. On n'a plus besoin de chantres professionnels. Frère, Dieu nous donne des chants nouveaux. Il faut que nos mentalités soient réformées au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Ça a commencé quand? Clip vidéo. Et puis quand on dit que ce sont des artistes chrétiens, frère, ce mot-là, artiste-là, ça n'existait pas. Ce terme-là a commencé à être utilisé au début du 20e siècle. Artiste chrétien, tout ça là, on va filmer et c'est toi qui vas te dandiner partout pour prouver aux gens que tu sais bien chanter. Dieu n'a pas besoin de belles voix. Amen. Dieu veut le cœur. C'est ça la parole de Dieu, frère. Vous êtes impressionné quand vous voyez des groupes musicaux avec des tenues, tout ça là, c'est gospel, ça va chanter dans les cathédrales, tout ça, catholiques, ça va chanter ici et là, payant, tout ça, les divorcés, remariés à fond la caisse. Frère, c'est le fonctionnement satanique, c'est la puissance d'égarement qui est en train de frapper les chrétiens et beaucoup sont aveuglés. Il y a trois heures, amen. Et lui que le Seigneur parle. Oh, église mère. Église mère, ça existe où? Oh, notre église mère se trouve là-bas. Le siège se trouve à terre. Frère, tête au voisin, fonctionnement babylonien. Fonctionnement babylonien. Quand le frère Chora dit, Dieu me dit de donner l'autonomie à certains prédicateurs, on dit non. Non, mais c'est pas normal, tout ça, quand même, il ne faut pas rejeter. Mais rejeter qui? Mais les gens sont formés, il faut qu'ils partent. Les nouveaux qui arrivent, on va faire comment? On veut vivre le fonctionnement biblique. Les chrétiens disent, non, nous voulons la puissance de Satan. C'est-à-dire, ne soyons pas dispersés, soyons toujours ensemble. Il faut construire tout de Babel. Frère! Vous voulez qu'un Étienne soit lapidé pour que chacun puisse partir à gauche à droite? Quelqu'un m'a entendu ce soir? Amen. Alléluia. Amen. La puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, mensongers, pseudos, le pseudo là, mensonge. Oh mon pseudo, ben, c'est un mensonge en grec. Mon pseudo grec, comme un Skype, c'est quoi? C'est du mensonge. Le mensonge en grec, c'est pseudos. Ça donne en français pseudo. Ah oui, frère. Illusion. Vous avez vu? Ah ah. Des miracles mensongers. Ça veut dire que Satan ne guérit pas. Il n'est pas Yahvé Rapha. Satan déplace les maladies. Tu as mal au genou, toi, il va prier pour toi.
Il prend le démon de genou là, tout ça là, il le met sur l'épaule. Droite. T'as l'impression d'être guéri. Mais en fait, quand tu vas partir là, un mois après, c'est l'épaule qui commence à te tourmenter. Du coup, tu repars encore voir ton guérisseur. Et tu vas devenir dépendant de lui. Amen. T'es cuit. Parmi les miracles mensongers, vous avez la technologie, par exemple. Oh, c'est miraculeux. Frère, tu es aux États-Unis, moi je suis ici, avec un petit bout de machin, tout ça, là, hein, de métal, tout ça, et on peut communiquer. Vous trouvez ça normal? C'est miraculeux. Revenez, mes amis, 2000 ans en arrière, avec portable, devant Paul. À l'époque d'Abraham, va voir Abraham avec ton portable. Frère, on va dire c'est la sorcellerie, n'est-ce pas? Nous sommes tellement habitués aux choses nouvelles qu'on se dit, bon, c'est normal. Frère! Ah, c'est miraculeux, frère! La technologie! Regardez combien de chrétiens aiment la technologie! C'est miraculeux! On dit écran plasma! Frère, 2000 euros pour un écran plasma! Toi, prédicateur, 2000! Déjà investir 1000 euros dans une télé, il faut être babylonisé! Laissez-moi vous parler terre à terre! Amen. Alléluia! Amen. Je sais que ça ne plaît pas, mais je ne lâcherai pas! Le matériel. Oh non, c'est soldé, frère Chora, quand même, c'est soldé. Voilà les raisons que l'on trouve. Mais c'est soldé. Du coup, quand on va visiter les frères et sœurs, quand ils apprennent qu'on arrive, ils déplacent certains matériels. Frère, tu peux te déplacer parce que le frère Chora arrive chez toi. Mais Jésus, tu ne peux pas le mentir, frère. Des miracles mensongers. Cette génération est perdue sans Jésus. Vous savez, je vais vous dire une chose. La plupart des satanistes pour qui j'ai prié, ils me disaient, frère Chora, nous allons travailler dans le deuxième monde, les écrans de télé. C'est là que nous les fabriquons, tout ça, et on communique ces choses aux scientifiques pour égarer les hommes. Voilà la puissance de Satan, frère. C'est fort. Je suis à la Kinshasa, on m'a dit, un de mes ex-amis pasteurs, que j'aimais beaucoup, j'aime toujours, un homme qui a reçu un puissant appel. Des frères sont venus me voir et me disent, voilà, il a maintenant 4-4. Il a un hammer, un navigateur, un gros 4x4 américain, une Jeep, deux villas incroyables, et le peuple est pauvre. Pas de construction d'orphelinat, les veuves ne sont pas aidées. Vous voyez, l'amour du matériel, où ça conduit les gens, l'amour du luxe. C'est des puissants, c'est des miracles mensongers. Ah, oh, c'est puissant. Ah, oh, c'est beau. Oh Seigneur, merci. Vous avez vu d'autres miracles sur le plan médical? Ce que les médecins sont capables de faire aujourd'hui, frère. Mais c'est incroyable. Vous allez prêcher aux médecins, aux grands scientifiques la parole. Ils vont vous dire, mais attendez, qu'est-ce que vous me racontez? Ils sont capables de faire des transplantations. Ils sont capables d'exploits incroyables. Ils sont considérés comme, regardés comme des dieux, pas des malades. La médecine a fait des progrès incroyables. À l'heure actuelle, il n'y a même plus besoin de l'utérus des femmes pour pouvoir, n'est-ce pas, faire des enfants. Il
ils peuvent cloner les hommes, ils le font. Vous avez vu le miracle scientifique? Sur le plan de la météo, vous allez dire quoi aux gens? Ils peuvent vous prédire la météo, prédire le temps. 2-3 jours, 1 mois à l'avance. Vous vous rendez compte, frère, cette génération vit des miracles mensongers, incroyables. Sur le plan de l'armement, frère, ils ont fait des progrès énormes. Sur le plan alimentaire, le volaille, vous avez vu comment, frère, ils font pousser les volailles, frère, à 1 mois, 2 mois, 3 mois, avec des piqûres, avec des médicaments. Frère, c'est inimaginable. Voilà les miracles mensongers. Et on est en plein dedans. Et très peu de chrétiens le savent. Alors bien évidemment, sur le plan spirituel, il y a tellement de faux prophètes maintenant qui font des miracles. Ah oui. Et la parole nous dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et là, c'est grave ici. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Et ça, c'est fort. Ça veut dire quoi? Il y a tellement de séductions, tellement. J'ai vu des enfants que j'ai formés, des frères et sœurs que j'ai formés. Frère, ça fait mal au cœur. Vous les avez connus. J'ai vu des grands prédicateurs ici, que Dieu a formés. Je les ai vus naître. Je les ai baptisés. Et je les ai vus séduits. À un point où je me disais, Seigneur, mais je rêve. C'est pas celui-là quand même. C'est pas celle-là quand même, Seigneur. Séduit. Toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Donc ça veut dire quoi? Dieu sait d'avance qui sont ceux et celles qui vont en enfer. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc pour être sauvé, frère, tu dois recevoir l'amour de la parole, l'amour de la vérité. Frère, si tu perds l'amour de la vérité, tu te perds. Nous autres là qui prêchons le message là, moi personnellement je préfère mourir, si ça doit m'arriver, que Dieu me tue. Parce que on a atteint de niveau, un niveau où on peut plus, frère, faire marche arrière. Parce que si tu tombes dans un péché, autant te repentir véritablement. Parce que si tu le caches, t'es cuit. Parce que tu vas tellement devenir incrédule que tu vas commencer à justifier ton péché. Et là, l'amour de la vérité va quitter ton cœur et c'est fini. C'est pour cela que Hébreux 6 nous dit qu'il est impossible à ceux qui ont goûté à la bonne parole, qui ont goûté aux puissances à venir et qui sont tombés soit de nouveau renouvelés, ramenés à la conversion. Frère, Dieu n'est pas notre copain. C'est pour cela qu'il ne faut pas chercher à faire l'œuvre du Seigneur si ta vie n'est pas clean. Autant te taire et développer ta communion avec Dieu. Ne cherche pas à faire l'œuvre de Dieu si dans ta vie il y a des choses à régler encore. Si dans ton couple tu as des choses à régler, règle-les d'abord.
J'ai vu des prédicateurs chez nous se moquer du Seigneur. Depuis des années, je leur disais, les amis, attention, je vous ai vu naître là. Attention, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Le ministère n'est pas un jeu. Le ministère ne consiste pas dans les voyages à gauche à droite. Le ministère est d'abord la communion avec le Seigneur, la vie de Dieu. Attention, parce qu'il y a des séductions, de l'iniquité, il y en a plein. Les soucis de la vie. Vous savez, j'ai vu des gens tomber, pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. Les choses n'étaient pas réglées, c'est-à-dire des faiblesses qui n'étaient pas réglées. Ils n'étaient pas encore délivrés de certaines faiblesses. Je m'explique. Le frère se convertit. Mais avant sa conversion, juste un exemple, sa faiblesse, c'était les belles choses. Belle voiture, belle maison, tout ça. Il se convertit. Si cette faiblesse-là n'est pas réglée, si ce problème, cette racine n'est pas ôtée, l'ennemi va l'arroser petit à petit. Il exerce le ministère, il manifeste l'onction, mais l'ennemi va arroser cette racine qui va commencer à repousser, à germer. Et l'ennemi va commencer à lui envoyer des gens avec des cadeaux. Parmi ces présents, il y a des présents contaminés, ensorcelés, envoûtés. Et avec ces présents, c'est comme si l'ennemi va arroser son cœur. Et s'il n'est pas sage, il tombe dans le péché, dans la convoitise, c'est fini, il est cuit. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Amen. Quel va être le jugement de quelqu'un qui a prêché la parole devant 100, 200, 300, 400 personnes pendant des années et qui est reparti dans le monde ou qui n'exerce plus ce ministère que Dieu lui a confié? Quel sera son sort? Frère, je n'aimerais pas être là parce que ça va être terrible. Regardez tout autour de vous les séductions qu'il y a. Vous avez vu toutes ces belles femmes? Vous avez vu tous ces hommes beaux? Vous avez vu toutes ces belles voitures? Regardez le salon de l'automobile. Toutes ces belles voitures. Vous avez vu toutes ces femmes belles qui sont là? Tout est fait pour séduire. Tout. Oh Seigneur. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Waouh! L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan. Et on nous dit que Dieu aussi envoie la même puissance, énergie. C'est quand même fort. Pour que les gens croit davantage au mensonge. Vous savez pourquoi les gens ont tendance plus à croire au mensonge qu'à la vérité? Eh bien, parce que derrière, il y a la puissance d'égarement. Il y a une action de l'ennemi. C'est pour cela que les gens vont croire facilement au bouddhisme, à l'islam. Ils vont croire facilement les pasteurs, menteurs, violeurs, religieux, impudique, fornicateur. C'est Dieu lui-même, parce qu'il a vu que ces chrétiens ne veulent plus de la vérité. Alors Dieu va envoyer la puissance d'égarement pour que ce dernier, ce chrétien, soit davantage dans un fonctionnement, frère, impie.
Comment vous pouvez croire? Comment pouvez-vous croire, frère? Comment pouvez-vous imaginer que des hommes aussi intelligents que riches puissent, frère, dire haut et fort que Dieu n'existait pas? Comment des hommes créés à l'image de Dieu puissent se lever un jour et dire haut et fort que le monde n'a pas été créé par quelqu'un? Comment des parents dignes de ce nom ne voient-ils pas que vous avez décidé de suivre le Seigneur, que vous avez choisi la vérité? Eh bien, derrière, il y a une puissance d'égarement, d'aveuglement. Les gens croient de plus en plus au mensonge. Darwin vient et il dit, oui, il y a un Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas lui qui a créé le monde. Ce Dieu est impersonnel. Il n'intervient pas dans les affaires humaines. Et des intellectuels, des grands penseurs, des grands philosophes ont cru à ce mensonge. Des milliers de gens. Comment même chez nous, avec le message qu'on a reçu, des jeunes pasteurs que je connais, et heureusement il y en a que Dieu a récupéré, pouvaient-ils croire qu'en tant que prédicateur du message du temps, ils pouvaient rouler dans des gros 4x4? Frère, comme les hommes de ce monde, 4x4 Mercedes, PM, comment ne pouvait-il pas se dire, mais on est à la fin, qu'il faut consacrer sa richesse à aider les frères et soeurs, les pauvres, qu'il faut vivre simplement? Comment n'ont-ils pas vu que Paul disait aux Corinthiens, à 2 Corinthiens 11, que je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ? C'est écrit! Comment n'ont-ils pas vu que le Seigneur disait, ne vous amassez pas beaucoup de trésors ici bas, mais amassez là-haut? C'est écrit. Comment des chrétiens dignes de ce nom, qui aiment Jésus, peuvent-ils croire des pasteurs qui leur disent que s'ils donnent l'argent, ils auront plus d'argent? Je vous avais dit de la part du Seigneur il y a quelques années, Dieu m'avait dit ceci. Si le pasteur Hippolyte, un pasteur congolais à Paris, ne s'était pas repenti, je l'avais appelé, il allait mourir. Il se moquait de cette prophétie. Il a fait une fête dans son assemblée pour se moquer du Seigneur. Il est mort dans des souffrances atroces. À Savigny, Dieu m'avait donné une prophétie. Que c'est Salvarage Raja ne s'était pas repenti. Il allait mourir. Qui sont ceux qui se rappellent cette prophétie? Il est mort. Et ce n'est pas fini. Dieu me dit de dire ce soir, chez nous maintenant, dites aux pasteurs que vous connaissez là, avec qui vous parlez au téléphone, qui sont pourtant tombés dans le péché, que vous êtes en train de couvrir. Il y en a ici qui sont en train de couvrir bien comme il faut. Dites-leur que s'ils ne se repentent pas, ils vont mourir. Parce que Dieu est pressé. Dieu veut sauver son peuple. Et celui qui va se lever, qui va se dresser contre ce message, pour capturer le peuple, Dieu va le frapper. Et Dieu veut vous le dire, que le jugement va commencer chez nous ici. Et quand il va commencer à frapper, ils vont mourir de longues maladies, de cancer. Il faut les avertir. Il y a déjà eu le cas de frappe chez nous. Vous n'avez pas vu? La folie, prédicateur. Ça va faire mal. Dieu me dit que son épée est sortie. Vous avez les sentiments. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils
il croit encore au mensonge. La parole est là, vérifiez-la, frère. Quand on vous prêche la parole, vous devez vérifier qu'est-ce que la Bible dit. Frère, tu me dis de faire ceci, cela, mais la Bible dit quoi? Vous savez pourquoi beaucoup de riches ne veulent pas se convertir? Parce que quand ils viennent à nos assemblées, ils entendent des prédications du genre « Apportez à la maison du trésor toutes vos offrandes, vos dîmes, et Dieu vous bénira. » Ils repartent. Ils sentent l'arnaque. Ils se disent « Nous sommes déjà riches. » Donc ça ne sert à rien de venir prier ici, parce que nous sommes déjà bénis. Mais si les riches entendaient le message que Jacques a prêché dans Jacques 5, vous les riches, pleurez parce que votre or est rouillé. Il se mettra à genoux et accepterait le Seigneur. Et quand ils viennent, on leur donne les premières places. On les consacre anciens diacres. Ils deviennent des partenaires financiers des pasteurs, remplaçant le Saint-Esprit. Le système de l'homme impie est déjà là. Tout est mis en place. Et beaucoup de chrétiens, l'image que Dieu me donne, beaucoup de chrétiens tombent dans un trou. C'est l'enfer. Et je peux les entendre crier. Beaucoup sont surpris. Parce qu'on ne leur a pas prêché la vérité. L'amour de la vérité. Aimez les prédicateurs qui vous prêchent les choses qui vivent. Qui vous montre le chemin du ciel. Amen, amen. Alléluia. Amen. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Frère, vous qui aimez la vérité, vivez-la et proclamez-la. Vous ne serez pas aimés, mais c'est pas grave. Ne cherchez plus l'amitié des hommes, l'approbation des hommes. Cherchez l'amitié de Dieu. C'est merveilleux quand Dieu nous aime, quand Dieu nous approuve. Le service dans ton assemblée ne t'ouvrira pas le ciel. Ce n'est pas parce que tu filmes, ce n'est pas parce que tu travailles dans un ministère quelconque que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu connais le chemin pour tout que tu iras au ciel, frère. Amen. Moi-même, je cherche à me sauver. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Amen. 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 Qui veut aller au ciel? Un autre fonctionnement de l'ennemi consiste dans le fait de dire aux chrétiens: venez prier chez nous. C'est une grande, c'est une grosse erreur. N'appelez pas les gens chez vous. Ne les invitez pas chez vous. Amenez-les à Dieu. Voilà le message que Dieu nous a donné. Nous amenons les âmes à Christ. Nous ne devons pas faire l'apologie, la pub d'un quelconque ministère. C'est pas ça le message. C'est le royaume. Amen. Présentez aux gens Jésus. Frère, Jésus détruira le système impie par le souffle de sa bouche. Je n'aimerais pas que tu sois dans ce système. Parce qu'autrement, tu seras détruit également. Qui se rend compte que les temps sont durs? Vous avez vu? Mais il y a une race que Dieu s'est choisie.
Ce sont des frères et sœurs qui constituent l'église de Yahushua. Qui ne veulent plus se faire manipuler. Qui savent ce qu'ils veulent. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est le royaume de Dieu. Amen. Ces hommes et ces femmes, il y en a plein, comme vous. J'en rencontre partout, à Madagascar, à l'île de la Réunion, à l'île Maurice. Partout, qui viennent à des réunions comme celle-ci. Et qui disent, frère, nous savons ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est connaître Christ. Aucune religion ne peut vous sauver. Vous savez, j'ai vu cet après-midi un musicien profane congolais aller voir le pape Benoît XVI pour se faire bénir. Lui ainsi que sa femme, c'est leurs enfants. Alors que ce monsieur est un grand impudique. Et j'étais là, j'ai eu mal pour lui. Que le pape te bénisse. Alors que lui-même, il a besoin de la délivrance. Oh Dieu, aide-nous. On l'a cherché chez les catholiques. J'étais catholique aussi, frère. À l'époque, j'étais là avec mes bougies. Ave Maria. Marie n'a rien fait. Puissance d'égarement. Je sors de là, je vais voir un peu chez les témoins de Jéhovah. Mais on nous a tellement parlé du paradis. Le paradis, c'est la promesse. Leur chant préféré. Mais ce paradis était tellement lointain. Je sors de là. On va aller voir chez les pentecôtistes. Bon, c'est vrai, on parlait un peu en langue. Mais on n'avait pas tellement droit à la parole. C'était le pasteur, matin, midi, soir. On va chez les baptistes, la même chose. Et un jour, dans ma chambre, quelqu'un est venu. Et j'ai réalisé que, vous savez, il m'est apparu dans ma chambre alors que je pensais le rencontrer dans une église. Parfois, on va le chercher, mes amis, loin. À Kinshasa, maintenant, ils vont sur une montagne qu'on appelle Mangengue. Mangengengue. On me pose la question, frère Shura, est-ce que c'est normal que les gens aillent prier là-bas? Je leur ai dit, c'est fini tout ça. Vous savez pourquoi les gens vont là-bas? Parce que dans les églises, il n'y a plus Dieu. Je suis allé à la télévision nationale, je leur ai dit, comment vous comprenez-vous? Comment pouvez-vous croire que des pasteurs qui prêchaient la sanctification puissent divorcer, remarier devant tout le monde? Et les bâtiments d'église sont remplis. Voilà le fonctionnement. Je leur ai dit, mais c'est... On me disait, mais il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais frère, on peut te tuer. Je leur ai dit, je n'attends que ça. Je suis déjà mort. Un mort n'a plus peur de la mort. Parce que si des gens ne se lèvent pas pour parler, qui va être sauvé? Puissance d'égarement. Frère, on lutte. Un pasteur est venu me voir, un pasteur français. Oui, moi je gagne 30 000 euros. Viens, travaille avec nous. Tu vas avoir 30 000 euros comme moi. Je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de salaire et je ne veux pas de salaire. Dieu s'occupe de moi. Il m'a pris pour un fou. Les Américains sont venus. Vends-nous ta vision. Je leur ai dit, je n'ai pas de vision. Ma vision, c'est Jésus. Donc si je dois vous vendre Jésus, il y a un problème. Il ne se vend pas. Amen. Jésus se reçoit gratuitement. Amen. On m'a proposé de l'argent pour vous vendre, frère. Je dis jamais. Fonctionnement.
On dit, mais il faut venir rentrer dans un. Je n'ai pas de système. Mais il faut être dans une fédération, frère. Ma fédération, c'est le ciel. Mais il faut rentrer dans un corps. Mon corps, c'est le corps de Christ. Rentrer dans quel corps encore? Il y a un seul corps. Tiens, ton voisin, il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Le corps pastoral est un cancer qui pollue l'église. Dis à ton voisin, c'est un cancer. Dis-lui, c'est de la gangrène. Fédération, gangrène. Dis encore. C'est la gangrène, frère. Ah oui. Avez-vous besoin d'une fédération pour adorer Dieu? Non. D'une association, quelqu'un pour adorer Dieu? Non. Là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, il est où? Est-ce qu'il est là ce soir? Oui. Est-ce que nous sommes dans une fédération? Non. Est-ce que nous sommes dans une pastorale? Non. On va finir, vous inquiétez pas. Finis bientôt. Une question? Quelqu'un a une question ici? Oui, frère. Par rapport à Christ là-dessus. Je dis, quand on est chrétien, quand on a accepté Christ, il n'y a plus question de divorce. Parce que quand on se marie, on ne divorce jamais. Mm-hmm. Ça, c'est chez nous les chrétiens. Je lui ai dit, ça dépend aussi de la vie de la dame. Si elle a une vie sanctifiée, ben, qu'elle se bat jusqu'au bout pour rester avec son mari. À elle de pouvoir convaincre son mari comme elle peut. Maintenant, si elle-même, elle n'a pas une vie rangée, ça c'est tout autre chose. Mais la question est tellement délicate. Le jeudi, nous avons réunion à là où nous prions à Évry. Donc j'ai voulu proposer à mes anciens. Et bien subitement, comme on parle de divorce, tout à l'heure, à plusieurs reprises, vous avez parlé de divorce. Donc c'est son mari qui veut divorcer? Oui. Il n'est pas converti? Non. Ok, ils sont mariés? Ils sont mariés, oui. Elle doit... refuser. Elle reste en prière. Eh bien, c'est ce que j'ai pensé. Voilà. Mais j'aimerais bien la voir pour parler un peu plus avec. D'accord. Elle doit rester en prière, s'attendre au Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, un chrétien qui divorce et qui se remarie, qu'est-ce qu'il va enseigner aux gens? Honnêtement. Si tu n'as pas vaincu la puissance ou l'esprit de divorce dans ton foyer, comment veux-tu le vaincre chez les autres? Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut prier, il faut lutter, il faut implorer la grâce du Seigneur. Maintenant, si le Seigneur décide vraiment que ce monsieur parte parce que ce n'est pas dans sa volonté parfaite, c'est autre chose. Mais elle doit rester en prière. Et dans le cas du mariage comme ça, il ne faut pas d'emblée trancher. On aime beaucoup, il faut d'abord écouter les deux. N'est-ce pas? Parce que très souvent, on a vu dans des cas de mariage comme ça, ou des conflits comme ça, où c'est la femme, par exemple, chrétienne, qui va pousser son mari au divorce. Je prends un exemple. Une femme dont le mari n'est pas converti et qui va constamment à l'assemblée, qui ne s'occupe plus de son mari. Et si ce dernier, maintenant, commence à aller voir ailleurs, c'est à cause de la, c'est la faute de la dame. Voilà. La parole nous dit dans 1 Pierre 3, que la femme dont les maris ne sont pas convertis, si elles n'arrivent pas à les gagner par la parole, elles peuvent le gagner par leur comportement. Amen. Amen. C'est pour cela que les femmes chrétiennes dont les maris ne sont pas convertis ne doivent pas jouer trop, être trop spirituelles. N'est-ce pas? Si le mari dit, chérie, ne va pas la veiller, tout ça là, parce que je vais être avec toi, qu'elle doit rester à la maison pour prier. Voilà. Par son comportement, l'homme peut gagner. Tu peux ne pas aller à l'assemblée et vivre la vie chrétienne à la maison.
Ce n'est pas parce que tu ne vas pas à l'assemblée le dimanche que Jésus n'est pas avec toi. Le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de questions. Hein? Vous savez, on va être complètement délivré de Babylone. Gloire à Dieu, tout ce fonctionnement-là bizarre. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, ma soeur. Oui, je voulais savoir, parce que vous avez parlé de... Je voulais savoir les frères qui sont, les frères et soeurs qui sont sortis sur vous, qui enseignent aujourd'hui dans les... dans d'autres assemblées. D'autres assemblées. Mm-hmm. Je voulais savoir, parce qu'à chaque fois, la question me revient, vous, comme on voit dans les autres églises, pour pouvoir enseigner, il faut retourner vers ton pasteur qui t'a formé, tout et tout, pour tes oins, pour dire maintenant que tu es apte, tu peux... Pour les consacrer. Voilà, pour les consacrer, du moins, c'est ce mot-là. Est-ce que vous ne faites pas ça ou je ne sais pas? Non, on ne fait pas ça. Ce sont les chrétiens qui élisent les pasteurs. Ce sont les chrétiens qui votent, les anciens. Oui, oui. Ce ne sont pas les apôtres. Amen. C'est vous. Mm-hmm. C'est ce que la parole nous dit. Voilà. Et c'est vous aussi qui... Si vous voyez un pasteur qui ne marche pas correctement, vous avez le droit de le dire. Mon frère, assis-toi. Ok. Donc, la deuxième question qui presque me concerne, pour quelqu'un qui est chrétien ailleurs, qui a vu que sa vision rejoignait un peu la vôtre et qui veut maintenant marcher dans votre corps, tout et tout, qu'est-ce que la personne doit faire? Venir vers vous, je ne sais pas. Non, pas du tout. Allez voir Jésus directement. Alléluia. Donc, eh ben, si on a la même vision, eh ben, là où tu es, eh, tu partages la parole aux gens. Amen. Voilà, parce que l'objectif, ce n'est pas de dire aux gens, venez chez nous parce qu'il n'y a pas de chez nous. Voilà, mais on peut se rencontrer, partager, ça c'est pas un problème. Oui, Olivier. Moi j'aimerais savoir comment considérer les pasteurs qui, quand on les écoute, on écoute leurs messages sont bibliques, mais quelque part on les voit toujours copiner avec des pasteurs qui sont dans des systèmes, qui pratiquent toujours des choses comme la dîme, des choses qui amène le peuple à l'ignorance, enfin amène le peuple vraiment à l'égarement. Comment peut-on considérer ce genre de pasteur? Bon. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans le système religieux et qui aiment le Seigneur. Il y en a beaucoup, j'en connais. Mais, vous savez, le système, on va prendre un passage dans Jean 12. Voilà, merci Saint-Esprit. Jean 12, 42, tu peux le lire? À 43. Jean 12. Il dit cependant, même parmi les chefs, plusieurs furent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà, ça c'est le cas des pasteurs qui reconnaissent la vérité, voire même qui prêchent certaines choses que nous prêchons. Ça ne rend pas de la dîme. Mais le reste des choses, ils en parlent. La croix, la sanctification, le retour du Seigneur. Mais ils sont encore liés par le système religieux et ils sont encore dans des connexions, n'est-ce pas, charnelles avec ces pasteurs qui sont complètement faux. Parce qu'il y a une forme de gloire, Olivier. Moi, je suis dans ce système religieux, tu peux me croire, il y a une sorte de gloire. Parce que tu es considéré comme un dieu par les chrétiens. Vous avez vu le nombre que nous sommes dans le système religieux. On pouvait faire l'appel de fonds et récolter beaucoup d'argent. Tu vois, non? Donc, ce qui fait que cette gloire-là, beaucoup ne veulent pas l'abandonner. Et comme la parole le dit ici, ils reconnaissaient, parmi les chefs, beaucoup reconnaissaient que Jésus était le chemin, la vérité, la vie. Mais ils ne voulaient pas le déclarer publiquement parce qu'ils...
ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue. Voilà. Le problème, c'est que leur connexion a plus d'importance que la connexion avec le Seigneur. Okay. Maintenant, notre question par rapport à ça, comme tu parlais de la semence tout à l'heure, de ce qu'on allait recevoir, qu'on allait être arrosé. Quand on écoute leur enseignement, quelle semence on reçoit? Bon, l'enseignement qui est biblique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a la vie derrière. Parce que derrière chaque enseignement, il y a la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4:16, veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc ça veut dire que quand vous écoutez un enseignant, un prédicateur, vous êtes censé être délivré par son enseignement. Et par la vie qui, n'est-ce pas, émane de sa vie, de son cœur. Maintenant, si c'est un théologien, vous aurez seulement une connaissance intellectuelle, mais vous n'aurez pas la vie de Dieu. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne peut pas courir d'enseignement en enseignement partout à gauche à droite. Parce que vous allez recevoir n'importe quoi. Il faut être d'abord avec Dieu. Il faut être enraciné dans le Seigneur. Chaque chrétien doit avoir une intimité avec le Seigneur. Et si c'est le cas, il ne pourra plus être ballotté à tout vent de doctrine courant à gauche à droite. Il va être avec le Seigneur et il ne va pas ouvrir ses oreilles à n'importe quel enseignement. Tu vois, non? Moi, si ce n'est pas David Wilkerson, je ne veux pas écouter n'importe quel enseignant. Cet homme, je pouvais l'écouter parce que c'est un homme qui craignait Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, non, ça passe même pas. Et par contre, écoutez Paul, ah là, oui. Écoutez Pierre, ah ça c'est clair.